Avant toute chose, je voulais te dire de t'abonner à mon Instagram. Je fais des tas de photos dessus, j'essaie d'avoir un feed assez coloré et j'espère vraiment que ça va te plaire. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui trouvent pas mon Instagram, tout simplement parce que sous mes anciennes vidéos, le lien est niqué puisque j'ai changé de pseudo. Mais à partir de maintenant, sous mes vidéos, ce sera le bon lien. Donc si jamais t'es pas encore abonné, bah hésite pas, abonne-toi et voilà. On peut passer à la vidéo maintenant. Hello mon petit ouistiti des champs de phase anale. C'est normal, c'est ta phase anale. Tu t'amuses avec ton caca. Si papa te fait la morale, dis-lui qu'il est passé par là. Je l'ai dit dans ma précédente vidéo, les colorations c'est terminé pour moi. Alors aujourd'hui je vous rejoins dans un thème original, du jamais vu sur ma chaîne. Quelque chose qui va vous secouer les papilles. Je vous rejoins dans un... tutoriel coloration. Pour ce tutoriel coloration, je me munis donc... Oh, ça fait mal au poil sa mère. D'une paire de gants, d'une petite cuillère, d'un petit pot de couleur. Magnifique, n'est-ce pas? J'utilise des gants de nettoyage parce que c'est super cool, on peut les réutiliser et c'est beaucoup plus écologique que les petits gants. Vous savez, avant j'avais une grosse boîte de 100 paires de gants, déjà c'est hyper cher. Et ensuite, bah, on les jette à chaque fois, tandis que ça, on peut les nettoyer et les réutiliser. Donc ça revient beaucoup moins cher et c'est écologique. J'ai choisi cette fois d'utiliser la coloration Pravana, donc c'est Colo Chroma Silk. Et c'est la couleur... Blue. Voilà, c'est pas très compliqué, couleur blue. Donc je vais déjà mettre tout le pot là-dedans parce que je sais pas encore quel résultat j'ai envie d'obtenir. Est-ce que je veux quelque chose de plus pastel ou pas? Je pense que j'ai pas très envie d'un truc pastel. Donc on va d'abord vider la coloration dans le pot et ensuite petit à petit venir mettre de l'après-shampoing dedans pour pas avoir de mauvaises surprises en fait. Je m'en fous vraiment partout. Oh merde, non! Non! Putain, j'ai poussé trop fort. Non! Non, non! Non, non, non! Désolée, je voulais pas faire ça. J'en ai plein le pied. Pourquoi ma vie est si difficile? Enfin, ça va pas partir. Putain, j'ai mis des gants pour pas me salir et maintenant j'ai le pied tout bleu. Ça me saoule grave. Bon, par contre, c'est fort blue jean. Je vais ajouter un peu de turquoise dedans d'une autre marque. Faire des petits mélanges et tout, des petites expériences. Je vais aller chercher ça. Ah, salut. Ah, ceci est mon cul. Non, putain, j'en ai foutu sur mon kimono, sa mère la... Chienne. Je vous jure, je mets des gants pour me protéger et tout. Et c'est pire, j'en fous limite beaucoup plus partout avec des gants que sans. Genre comme si possible. Putain, j'en ai mis sur ma chaise. Je vais même pas frotter, ça va être pire. Pourquoi? Bon, j'ai vidé mon turquoise dedans, en fait il restait rien. Donc voilà, ça fera juste un petit reflet et tout. Et je vais mettre du l'après-shampoing. Oui, oui, je suis hyper vénère. C'est abusé, je suis extra méga vénère. Je fais de la merde, ça me saoule. Ça me saoule. C'est normal, c'est pas de la merde. Quel joli bleu. Encore plus clair, s'il vous plaît. Blue jean, water. Bon, j'en mets encore. Appuyer sur ce bouton est devenu ma passion. Allez, bon appétit, hein. Ah, je m'en suis vraiment foutue dans la bouche. C'est parti. Let's go. Le miroir est mis par terre et vu que j'ai les mains pleines de colo, je vais pas pouvoir le faire avec le miroir. Oh, j'ai oublié de mettre de l'huile de coco sur mon front pour pas devenir bleu. Mais bon, tant pis. On peut pas tout faire dans la vie. Si on savait tous se colorer les cheveux tout seul, il y aurait pas de coiffeur, ça enlèverait beaucoup de travail. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Putain, c'est foncé de ouf. Bon, c'est pas grave, hein. J'espère que ça va être beau parce que là, ça a l'air genre moche. Je rêve ou j'en ai déjà partout? Non, j'ai des trous là. Le magnifique trou! Achevez-moi! Ah, qu'est-ce que je ferai pas pour vous, hein? Faut que j'arrive à colorer mes rouflaquettes. C'est un peu foireux, hein? Allez, vous avez vu ces beaux muscles? Je les ai attrapés en Australie. Oh non, j'en ai mis sur ma tête. Oh, j'adore, mais c'est grave beau en vrai, hein? Oula! Oulala! Voili, voilou! Est-ce que c'est fait? J'allais dire bien fait, mais on va pas se leurrer. Est-ce que c'est fait? Voilà, est-ce qu'il y en a partout? En vrai, c'est beau de ouf, hein! Waouh! Je kiffe trop! C'est magnifique! C'est grave beau, c'est vraiment genre. Bleu! Ok. Disappointed! Ça, c'est bleu, c'est la base, c'est l'ancêtre du bleu, c'est le Jésus du bleu. Un petit massage crânien. Pour être sûr de bien avoir le crâne bleu. Ça me paraît bleu. Est-ce qu'on peut faire pire? Oui. Allez mon petit Wistiti, sur ce, je vais laisser ça poser sur ma tête. Combien de temps? Est-ce que c'était marqué derrière ce truc? Venta exclusiva a los profesionales. Aha, oui oui. Mais en vrai c'est joli, hein, on dirait une œuvre d'art le truc. Regardez, c'est trop joli, ça fait un petit effet serpent et tout. C'est grave beau, j'espère que ça va rester comme ça. Je vais améliorer le truc, on va faire d'autres effets. Waouh, wow, c'est grave trop cool. Merde, j'en ai partout. Oh.
Cette colo, c'était la pire idée de ma vie. Maintenant, je vais arrêter cette vidéo. Bon les gars, faut que je vous dise, il y a des niveaux de maladresse dans la vie assez relatifs, je peux vous le dire. Par exemple, tu peux te ruiner la gueule en faisant une story Instagram. Tu peux également te ruiner les mains. Mais alors, la chose, la pire que j'ai faite de ma vie pendant une coloration, c'est ça. Ça... Ça putain mes chaussures. C'est un putain de carnage. C'est officiel, y a personne qui a carnagé autant que ça dans sa vie pendant une coloration. J'en peux plus de ma vie, j'en ai presque jusqu'aux genoux quoi. C'est pas possible. Oh. Yo mon petit vestiteuse, je suis de retour avec les cheveux secs. Je me suis maquillée comme tu peux voir, je me suis fait les sourcils en mode, vous voyez la bleutée naturelle. Hein. Bon, au niveau de la colo, c'est pas parfait. Hein. Surtout de ce côté-là, il y a des trucs bizarres, genre là où ça a pas pris. Sans doute parce que je me suis colorée les cheveux grave à l'arrache, comme d'habitude. Sérieux, là du coup, je suis en grosse hésitation de faire encore plus foncé la prochaine fois. Genre je suis en mode, oh c'est trop beau, c'est génial, je suis fan. Si je vais vous demander, sur mes lèvres c'est le Sugar Mama de la nouvelle collection vinyle de chez NYX qui est un truc à tomber, c'est absolument génial, leur nouveauté j'adore et franchement les rouges à lèvres vinyle ils sont mais magnifiques, ils ont des couleurs à tomber et je voulais vous en parler, je vous ferai certainement des swatchs, on va voir. Ah et une dernière chose, je voulais vous parler des fossiles que je porte en ce moment, j'en ai ils sont très discrets parce que j'ai pris les tout courts mais en fait j'ai commandé ceci sur le site New Chic, c'est des fossiles aimanté en fait, donc c'est hyper hyper pratique puisqu'il suffit de mettre le fossile par dessus oh merde, j'avais oublié que j'en avais, du coup il s'est accroché, bon bah voilà. Il s'est accroché, ok. Donc il suffit de le mettre au-dessus de votre œil et ensuite par-dessous, bah du coup on va le faire. Hein. J'ai une de ses têtes quand je fais ça. Voilà, elle est sûrement très très mal mise parce que bah il est même carrément pas mis en fait. Donc en fait vous avez des cils qui se situent comme ceci, avec deux petits aimants de chaque côté et il suffit d'en mettre un au-dessus de vos cils et l'autre en dessous. Il faut bien calculer pour pas faire de la merde. Et ensuite quand ils vont se croiser, ils vont s'accrocher comme ceci. Bien sûr, il faut les faire s'accrocher dans le bon sens. Dans cette petite boîte, il y avait 4 tailles différentes. Il m'en reste 3 parce que j'en ai perdu une en Australie et je suis vraiment très triste. Mais celle que je porte en général, c'est celle-ci. Ils sont vraiment très très discrets. C'est juste pour vraiment rallonger le regard comme ça. J'adore et je trouve ça absolument génial. Je trouve ça super joli. L'avantage, c'est qu'on n'utilise pas de colle. Alors déjà, ça c'est hyper cool parce que la colle, niveau production de tout petits emballages en plastique, c'est carrément de la merde. Et clairement, ici, on est sur un truc hyper easy game. C'est hyper facile d'utilisation et je voulais vraiment vous en parler parce que ce petit truc c'est en train de changer ma vie. Je porte enfin des fossiles alors que j'en ai plein dans une petite boîte, plein plein de fossiles que je porte pas parce que c'est des fossiles à colle et que je suis incapable de les mettre. Mais ceci c'est hyper easy et j'adore, donc je voulais vraiment vous en parler. Voilà, parce que c'est un de mes produits favoris du moment, c'est cette petite boîte dont j'ai cassé le miroir en marchant dessus, mais on va passer ce détail. En tout cas, voilà le résultat de la coloration sur mes cheveux, j'espère que ça te plaît. En tout cas, moi je suis très très contente, je vais sans doute garder cette couleur assez longtemps parce que là pour le coup, j'aime énormément le résultat et je trouve que ça me va bien. Juste bizarre avec mes yeux, j'ai l'impression qu'on les voit plus, mais bon, Photoshop est notre ami, donc ça ira. Sur ce, mon petit Wistiti, je te fais de gros bisous et je te dis à n'importe quand pour n'importe quoi comme vidéo. Salut! Pink fluffy unicorns dancing on rainbows.